تقييمك لهذه اللاعبين في أول ظهور لهم بقميص المنتخب الوطني بالنسبة لي أيت نوريب وعنالي وشيبي؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تمنيت اليوم هادو اللاعبين شبان يدخلوا في ظروف ممكن سهلة، ولكن الحمد لله دخلوا في مباراة صعيبة في وقت صعيب وبينوا الامكانيات تاعهم، و on peut dire qu'ils ont fait même carrément la différence. Par exemple, si on voit le هدف اللي سجلناه، une passe de Fares, je pense une remise de Badaldin Bouhanani pour le but de Riyad. Donc حاجة إيجابية اليوم، je pense اليوم ils ont passé un moment pour eux historique parce que أول مرة تلبس القميص تاع المنتخب، مش حاجة سهلة، مش حاجة صغيرة. إن شاء الله يستاهلوا هذا الفوز، ويستاهلوا لعبوا في هذا الملعب. لوماسين الجزائري، طارق لوماسين للراديو الجزائريان. C'était une victoire qui a été longue à se dessiner, un succès en toute fin de partie, un match difficile comme vous l'aviez annoncé avant la rencontre, qu'il ne fallait pas prendre à la légère cette équipe du Niger. Quels sont les enseignements que vous tirez de ce match, ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas fonctionné déjà, on va commencer par ça. Déjà par exemple prendre des buts comme on l'a pris et nous mettre en difficulté sur une phase de coup de pied arrêté, c'est la plupart du temps le lot de ces équipes. C'est ce genre de situation sur lesquelles ils peuvent marquer. Donc pas de d'arguments offensifs qui peuvent réellement nous mettre en danger, si ce n'est les coups de pied arrêtés, que ce soit des corners, que ce soit des actions arrêtées comme coup franc, et ce jeu sur la profondeur, ou les transitions par exemple. Et là c'était par exemple un ballon dans la profondeur. On l'a averti, maintes fois averti, on le sait, et on prend des buts comme ça. Donc ça, c'est très rageant, parce qu'on sait qu'on va avoir une équipe qui va jouer bas, rien. Et puis on connaissait parfaitement cette équipe, on l'a déjà joué deux fois, c'est à peu près la même équipe, hein. Un ou deux éléments près, c'est la même équipe. Donc on savait qu'ils allaient nous offrir comme ça peu d'espace, et défendre crânement le score nul au moins. Avec le temps qui passait, et on sait que c'est jamais facile pour aucune équipe au monde, c'est facile d'aller désorganiser comme ça un bloc bas. On n'a pas assez fait, je trouve, cette première mi-temps, on n'a pas assez fait. Une possession de balle pour moi qui était assez stérile, pas assez, avec des 2, 3, 4, et c'est suffisant pour ne pas marquer, mais vu un peu de déchets techniques. Pas tant que ça, la vérité, si on regarde bien, pas tant que ça. Lakin, le peu de fois où on rate un centre, droite, une dernière passe, on rate un truc, ça nous éloigne justement du score, de marquer des buts et tout ça. Donc ça a été, c'est des matchs comme ça, on en a eu, on va encore en avoir, c'est une certitude. Aujourd'hui par exemple, vous avez un Ghana, je sais pas, quart de finaliste, non, huitième de finale je pense, Coupe du Monde, qui passe son tour en tout cas je pense. Le Ghana, dernière Coupe du Monde, et qui gagne 1-0 à domicile contre l'Angola, 96e minute. Donc ça, c'est maintenant, on a toutes les dates FIFA, on a des matchs de ce genre, des scores de ce genre, les équipes sont toutes organisées, elles savent. Et puis là, c'est facile de s'organiser comme ça, être bas, défendre. Donc voilà, on a poussé, on y a cru jusqu'au bout. Il y a eu des changements de fait, des joueurs qui se sont impliqués, qui ont été décisifs. Donc voilà, c'est une très bonne chose pour ça, pour eux et pour nous, évidemment. Et ça m'a donné. السلام عليكم. كوتش عصام الدنيا من الإذاعة الوطنية القناة الأولى. أنا أولا على الفوز. سيد جمال، بالماضي قبل هذه المقابلة كنت قلت عندما سئلت على اللاعبين الجدد طبعا تنتظر منهم، هل تعطيهم الفرصة
وقلت ايضا بانه ما تنساوش باننا راح نريد ان نحسم الامور التاهل في هذين اللقاءين هنا وبتونس يوم الاثنين القادم. اعطيت الفرصه لايت نوري ليريس في اول مقابله رسميه لي، صراحه كنت انتظر المقابله بهذا السيناريو، وانت اللي اضطريت باش توظف كل اوراقك باش تفوز في المقابله بشق الانفس. صراحه هل كنت انتظر هذا؟ وكيفاش تتوقع مقابلات يوم الاثنين القادم ان شاء الله؟ انا كنت اتمنى كما قلت في البدايه تاع هذه البريس كونفيرونس يدخلوا مونتوني بيان يدخلوا في dans des circonstances un peu plus simples هادو اللاعبين. je voulais qu'ils vivent هذه اول مباراه بالفرحه بالفوز بال avec de une belle performance de leur part. donc j'imaginais un scénario de match un peu plus simple pour eux et les faire entrer dans d'autres conditions. je ne voulais pas les mettre en difficulté, je n'aime pas ça. Une première sélection, c'est important que ça se passe bien. Donc, parce qu'on peut, sinon, ça se passe mal, on peut le garder longtemps, ça peut nous affecter dans les prochaines sélections. Mais là, on les a fait entrer dans un moment difficile pour faire... évidemment la différence, parce que chouffna fait le tamarin fait le hadou liyamat il a chouffna billi sah ndom kaniyat li qadrou ilabou même dans des situations difficiles. Donc on n'a pas hésité. Donc je suis très content pour eux. Un Badaldine qui a 18-19 ans, un Fares Shaibi qui a à peine 20 ans, la reine est nourrie qu'à 21 ans, Amoura Menzeouch est un nitral déjà à la mi-temps. Donc tout ça, c'est des très bonnes choses. Istehalo d'avoir passé cette première sélection pour ces gens, pour ces joueurs-là, en gagnant. Pour Tunis. Donc un autre match, on est, je sais pas, mathématiques, j'ai pas encore calculé, mais. Ouais, je sais. Quand même. Je sais qu'on a 9 points. Je ne sais pas si c'est suffisant. Généralement, c'est suffisant pour se qualifier. Donc, elle dit Hadjaï Jebiatani. Sûr qu'il va y avoir une évolution du 11 de départ. Ça, c'était prévu. C'était prévu pour Jean Tunisie. Et on va voir aussi. Voilà. Là. Je peux vous dire, par exemple, un Jaouen Hadjam. Bari Ibda, en tout cas. Ça, je peux vous le dire. C'est nouveau. Je n'ai pas l'impression. J'ai pas l'habitude de donner trop d'infos dans ce sens-là, mais en tout cas, lui jouera. Et puis on va voilà, faire en sorte que tout ce groupe puisse être concerné. Depuis 3 dates FIFA déjà, maintenant il y a un joueur comme Amin Tougaï. Roya, à chaque fois que je parlais, quelqu'un était devant. Merci Roya. Amin Tougaï, par exemple, qui sur les 3 dernières dates FIFA a joué ses 3 matchs. Et je sais que voilà, c'est un joueur qui est en train de progresser. Donc il aura aussi, dans son stade à Rades là-bas, la possibilité de démarrer le match. Et après, pour le reste, on verra. Vali Dhak. Ouais. Vous avez parlé en première mi-temps de domination stérile. 3 changements à la mi-temps. Notamment, on a vu Amoura en deuxième pointe autour de Bounjah. Et puis, en fin de match, il y a même un Shaibi qui est rentré derrière, au milieu. On l'attendait peut-être plus offensif, aux côtés de Benasser. Ce sont des nouvelles options. C'est ça qui a permis de monter un petit peu le rythme, ou il y a d'autres choses qui ont fait ça? Déjà, est-ce que vous savez, par exemple, Fares Shaibi, quelle position il joue? Ouais. Voilà. Ok. Donc lui, je vous le dis une bonne fois pour que vous sachiez, parce que des fois les joueurs vous donnez l'impression de connaître sa position. C'est un joueur qui joue dans son club attaquant côté gauche, attaquant côté droit dans un 4-3-3. Ok. Et la plupart du temps, c'est ce système-là dans lequel Toulouse joue. Et souvent, sur les dernières demi-heures, il repasse dans une position
on va dire la Ismaïl Ben Nasser, position numéro 8, comme il joue chez nous, et dans le cœur du jeu. Et il a même plusieurs fois démarré des matchs dans cette position. Donc, il a les caractéristiques d'un joueur, d'un milieu relayeur, d'un joueur qui organise le jeu un petit peu, le mettre dans le cœur du jeu, plutôt qu'un joueur excentré. Donc, ça, c'est mon avis. J'ai eu des discussions par rapport à ça. C'est là où il est le plus à l'aise. Donc, à partir du moment où, donc, il peut jouer tous ces postes-là. C'est bien ce joueur-là, sa polyvalence. Mais je pense que je le vois dans l'avenir jouer plutôt dans le cœur du jeu. Ça peut être sous un 4-2-3-1, plutôt en numéro 10, par exemple. Là, sur ce match-là, on avait évidemment le contrôle du jeu, la possession de balle. Je n'avais pas besoin de 2-6. Donc, j'ai plutôt mis un joueur comme Fares, qui allait plutôt animer le jeu, Ismaël, qui allait être plutôt dans un rôle plutôt défensif et plus en sécurité, et rajouter encore un joueur offensif avec la rentrée de Badadine. Donc on avait Fares, Badadine, Riyad, Bardad, Amoura, avec un Ryan qui montait beaucoup. Voilà, on a misé tout pour essayer de voilà. Ça a plutôt fonctionné, puisque c'est Fares qui donne ce ballon pour Badadine qui le donne à Riyad, qui donne un but, et puis on a vu un joueur. Donc c'est plutôt ça son jeu, c'est plutôt ça son le profil de joueur, toucher beaucoup de ballons, jouer simple. C'est pas un profil à la Youssef Blaïli, par exemple, qui percute, qui dribble, c'est pas ça, c'est pas son jeu. Capable de marquer des buts, on a vu que les buts de frappe qui ne sont pas passés loin, aurait pu faire mouche. Se projeter vers l'avant, une intelligence, une vision de jeu aussi, on l'a vu là sur cette passe de Badadé. Voilà, c'est plutôt ça, très intéressant comme joueur, discipliné tactiquement. Donc avec le temps, il aura plus de temps de jeu et on verra un joueur qui sera d'un apport sûr dans l'avenir. السلام عليكم كوتش ياسين كلام قناة الجزائر الدولية كوتش شفنا اليوم بغداد بونجاح كان قدم مباراة كبيرة وبغداد اللي ما كانش قاع في القائمة المستدعية في آخر لحظة كيفاش تقيم اليوم الأداء تاعو وحبينا برك نعرفوا رايك فيما يخص الجناح أيت نوري اليوم اللي قدم مباراة كبيرة راح يكون من دون شك حل كبير خاصة ويخلق منافسة مع رامي بن سبعيني شكرا قلت كل شيء في الأسئلة تاعك قلت كل شيء بغداد اللي شفنا اليوم في هذا الفورما سي جوستومون بالك باسكو صافي بالك واحد عام ما كانش في هذه المجموعة من المنتخب وعلى بالنا باللي هو عنده الحب تاع المنتخب ما عندناش شك فيها هضرت ثاني على باغ اكزومبل ريان ايت نوري كافي بو موا اول مباراه تري 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 انتريسونت اليوم اي اون فوا رامي بن سمايني باغ اكزومبل اللي ثاني نهضروا عليه اللي دخل دون ان رول ديفونسور سنترال اللي ثاني طانا نوزا دوني بوكو دو ساتيسفاكسيون بوركوا جي دي سا سي كو هادو اللاعبين كو سوا بغداد كو سوا رامي باغ اكزومبل Rami Hissou, et c'est normal, et c'est comme ça que ça doit se passer quand on a la possibilité. Rami Hissou, il y a de la concurrence, il y a Mounafassa, ou Hadi Hadji Jabia, le Muntakhab. Une concurrence saine, c'est ce que j'ai toujours voulu. Entre vouloir et pouvoir, il y a une différence. On a maintenant des joueurs qui sont capables de prétendre à une place de titulaire ou jouer plus. Donc ça, c'est une très très bonne chose pour l'équipe nationale. Et on va voir ça de plus en plus, de toute manière. Mais on va avoir besoin de tout le monde. Je suis content pour Bardad, je suis content pour cette rentrée, parce qu'à la Belle, il souffrait. Il souffrait de ne pas être en sélection. Il faut qu'il apprenne aussi. Il a appris certaines choses. Rami doit apprendre certaines choses aussi. Mais c'est des joueurs sur lesquels on va avoir besoin. On ne peut pas avoir que des joueurs de 19 ans ou de 20 ans. Là, Adoum Ezel, je crois Bardad a 31 ans, Rami il a 29 ans, il est très 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 bon joueur. Mais on sait que voilà, des fois il a des absences, il faut qu'il progresse. Mais c'est des joueurs très très importants pour l'équipe nationale. Quand on voit des joueurs comme dans certaines équipes nationales qui ont 38 ans, 39 ans, Mezel, il a bon le Moufem Moussa ou l'Ali, on a malheureusement l'habitude de casser nos joueurs quand ils ont un certain... quand ils dépassent la trentaine. De toute manière, moi, je ne suis pas de cet avis-là.
Voilà, il y a Islam Slimani aussi qui n'était pas là aujourd'hui. Il a fait un mois et demi très très intéressant avec son club d'Anderlecht. Il a marqué beaucoup de buts, il a beaucoup, voilà, très actif dans ces matchs-là. Donc voilà, il y a de la concurrence. Il y a Islam, il y a Bagdad, il y a Andy, il y a Amoura. C'est une bonne chose pour l'équipe nationale, tant mieux. Les deux dernières. Salam coach, Sofiane Bilkbel, HTV. Tout d'abord, bravo pour le coaching. Surtout les trois changements à la mi-temps et la rentrée des jeunes vers la fin qui ont donné un nouveau souffle. Ma question concerne Bagdad Bounjah qui a répondu de la meilleure manière aujourd'hui. Pensez-vous qu'on s'est privé de ce joueur dans des matchs importants lors des deux, trois dernières années? Ça fait Am Li Malabj. C'est pas deux, trois dernières années. Ça fait Ril Am Li Malabj. Exactement un an, là, jour pour jour. Donc, rectifié, non? La question? Oui. C'est pas deux, trois dernières années, c'est un an. Balak. C'est pas ni deux, ni trois. Ok. Voilà, déjà une chose. Mais plusieurs fois, Bagdad, il a été vivement critiqué, notamment dans les dernières CAN, même la CAN d'avant. Bagdad n'a jamais fait, de toute manière, l'unanimité. C'est ça notre problème un peu, fait le bled, c'est qu'on dit tout et son contraire. Nahar Ramleh, Istahel, Bayilab. Nahar Mashmleh, Bayistahel, Bayilab. Donc, on a marre exactement, il faut vous mettre d'accord. Fais-moi bar d'accord. Est-ce qu'il mérite de jouer ou pas? Bon, en tout cas. Mais moi, vu sa prestation aujourd'hui, coach. Ouais, il sais. Est investi, il est. Voilà, bravo. Mais des fois, vous savez, les processus sont importants. Effectivement, quand il n'a pas été en sélection, c'est parce que j'estimais qu'il ne méritait pas, tout simplement, sans rentrer dans les détails techniques, qu'il ne méritait pas, et que le temps passe. Comme lui, il a pris la place de certains joueurs. Voilà, c'est ce qui lui arrive à lui aussi. Tant qu'il n'affiche pas les performances que l'on souhaite, c'est normal que tu ne sois plus appelé. Ça doit être ça, la sélection nationale. C'est jamais des sanctions, bien sûr. C'est des joueurs avec lesquels j'ai été... On a vécu des moments fabuleux. Je parle du pays. On n'oubliera jamais qu'il a marqué ce but en finale. Peut-être le but, je le répète souvent, le but le plus important de l'histoire du football algérien. Gagner une CAN à l'extérieur, c'est pas quelque chose de simple. Donc, ça, je ne l'oublie pas. Mais il y a une mise à jour régulière. Je me dois d'être juste. Et ce processus de le mettre comme ça, d'une certaine manière, là, il est venu, par exemple... Si Islam ne se blessait pas, il n'était pas dans cette sélection, pour être clair. Il est venu avec une mentalité extraordinaire. Ça, c'est très, très important. Ce qui m'a laissé penser que voilà, il pouvait largement aider pour cette deuxième mi-temps de ce match-là. Donc, à lui de maintenir ça. À lui d'être... lui et l'autre, il n'y a pas que lui. Hein. Lui et d'autres. À lui de maintenir cette compétitivité. À lui d'être fort. À lui d'être décisif. À lui de marquer des buts. À lui de travailler pour l'équipe, comme il a pu le faire pendant de nombreuses années avec l'équipe nationale. Nanit Mendel, voilà. حسين السلام عليكم حسين بوشكير زاير تيوب اولا كوتش تغيير شوط المدربين تفوقت فيه في الشوط الثاني قلبت الموازين بفضل الحنكه والخبره اللي تمتع بها في الميادين برافو ليك في الكوتي هذا حبينا برك نتحدثوا على الانصار بعض الانصار ولا اغلبيه الانصار كسروا صيام في المدرجات واش تقول الانصار هذول اليوم دائما يصنعوا الفارق فطروا في المدرجات هذا حاجه انا نعرفوا احنا الجمهور تاعنا والشعب تاعنا نعرفوا بلي يحبوا المنتخب ونعرفوا بلي ماش سهل يجوا في هذا اليوم اول يوم في تاع رمضان شهر رمضان سي با ان جور دون ليكيل اون انفي ديت دون ان ستاد لازم نكونوا مع العائله لازم عندنا التراويح عندنا كل شيء ولكن احنا ثاني انا بعيد على عائلتنا ورانا مي سي نورمال انا فرحانين اون ريبريزونت نوتر بيي وفرحانين دائما كي نشوفوا شعبنا كيما كيجوا الملعب ما جون اتوندي با اوتون باسكو على بالي بلي رمضان ولكن هذا ماشي حاجه جديده هذا على بالنا بلي دائما مورانا دائما يتبعونا ودائما يحبوا المنتخبهم ولا نو شاك فوا بونس ا سا شاك فوا بونس ا او دون تو مي ديسكور دون تو مي ميتينغ دائما كاين ان مو بور او اون فو ا شاك فوا كي سورت احنا نحسوا الضغط اللي عندنا ماشي الضغط بس برك تاع النتيجه ولا تاع احنا عندنا الضغط تاع نفرحوا لشعبنا الفوتبول سي ان جو افون توت شوز
Donc on a envie de gagner, on a envie de bien jouer, on a envie de marquer des buts, on a envie que le Chabi Yifrah ou qu'il soit avec nous, qu'il fasse communion avec nous. C'est pour ça qu'on joue. Il a dans un stade vide ou avec un tawahed, c'est difficile. Donc c'est cette pression qu'on a et ça en tous les cas quelque chose voilà d'important. On te met le Chab Jazer, on te met la Gal, on met l'Islamia, Shah Ramadan, Ramadan Karim, Inch'Allah. شكرا بارك الله فيكم شكرا بارك. Merci.